Après plus de 2 ans de travail et de recherche, la municipalité de Saint-Hippolyte lance enfin le livre relatant l'histoire de la municipalité de 1869 à aujourd'hui. Mon nom est Antoine-Michel Ledoux. Je suis citoyen de Saint-Hippolyte et l'auteur de ce livre « Sur les chemins de son histoire ». Ce projet de relater la vie des gens de ce coin laurentien dans un livre m'habite depuis 50 ans. Car pour trouver les traces du passé, je collige depuis 8 ans auprès des témoins qui les ont vécus ou du moins entendu parler, les événements et récits de ceux qui ont bâti le Saint-Hippolyte d'hier et d'aujourd'hui. Je ne peux compter sur aucune archive, certaines ayant disparu par le feu, jetées ou simplement inaccessibles. Histoire et Archives Laurentides est fière d'enfin participer au dévoilement de ce livre « Saint-Hippolyte, 150 ans sur les chemins de son histoire ». Pour notre organisation, il s'agit d'une réalisation majeure qui découle de son mandat d'acquérir, de conserver et de diffuser le patrimoine archivistique des Laurentides, particulièrement celui de la MRC de la Rivière-du-Nord, dont fait partie Saint-Hippolyte. Dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Hippolyte, en 2019, l'administration municipale avait demandé à la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, qui est en fait le nom sous lequel l'Histoire et Archives Laurentides était connue à l'époque. Alors, on nous avait demandé de nous joindre au comité des célébrations. Dans ce contexte, nous avons notamment contribué à 3 expositions thématiques présentées ici à la bibliothèque. Mais nous avions aussi suggéré l'idée de produire un ouvrage sur l'histoire de la municipalité. Et à ce moment-là, également membre du comité, Antoine-Michel Ledoux, qui est un enseignant d'histoire bien connu à Saint-Hippolyte puisqu'il signe des chroniques historiques dans le journal Le Sentier, il s'était proposé à ce moment-là pour en être l'auteur. La Ville a finalement retenu la suggestion de l'Histoire et Archives Laurentides, qui s'est vu confier le mandat de réaliser le livre en tant qu'éditeur. Entre-temps, l'idée initiale de produire une brochure d'une 30aine de pages était passée à l'ambitieux projet d'une véritable monographie de 150 pages. Il s'agissait donc d'une tâche colossale à laquelle M. Ledoux s'est attaqué avec la passion qu'on lui connaît et avec le soutien, bien sûr, de Histoire et Archives Laurentides. Les sources d'informations officielles étant plutôt rares, il a surtout fait appel aux citoyens et aux familles de Saint-Hippolyte qui lui ont généreusement raconté des faits et anecdotes et qui fournit des photographies qui constituent l'essentiel de la riche iconographie de l'ouvrage. L'ampleur insoupçonnée du défi aura malheureusement contribué à retarder un peu la publication du livre. Mais tant pour Histoire et Archives Laurentides que pour l'administration municipale, il fallait prendre le temps de bien faire les choses. Puisque l'ouvrage doit avoir une longue vie, il se devait d'être bien documenté, bien écrit, doté d'un visuel abondant et attrayant, tout en demeurant concis. Cette limite d'espace et de temps nous a bien sûr forcés à faire des choix parfois déchirants. Nul doute qu'il y aurait eu encore beaucoup à ajouter sur ces 150 ans d'histoire hippolytoise. Je demeure néanmoins convaincu que cet ouvrage constitue une formidable source d'information pour les générations futures et actuelles, non seulement pour les Hippolytois, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire. Depuis 120 ans déjà, le mouvement Desjardins est toujours présent dans son milieu, dans ses communautés. Certes, on a beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais cette implication-là sociale dans notre milieu, elle est demeurée toujours présente et toujours aussi importante pour nous. Ce n'est pas la première fois qu'on s'implique dans un projet de la municipalité de Saint-Hippolyte. Alors, depuis de nombreuses années, on a été un partenaire financier important du milieu. Et on n'a pas hésité à s'associer là, dernièrement à la dernière campagne de financement pour soutenir la réflexion du toit d'église de Saint-Hippolyte. Alors, pour nous, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a accepté de s'impliquer comme partenaire majeur financier dans ce projet-là de célébration des 150 ans de la municipalité de Saint-Hippolyte. C'est un projet pour nous à ne pas manquer. Vraiment, on était très heureux là, d'y être associés. Notre implication dans notre milieu est toujours importante. Ce qu'on souhaite également, c'est de soutenir le développement social et économique de nos milieux, faire en sorte que nos milieux puissent avoir une prospérité qui est durable. Et donc, de par cette implication-là, on était convaincus que c'était un projet qui était majeur là, pour la population. Donc, on est très heureux que ce livre-là puisse commémorer, dans le fond, toutes les festivités du 150e anniversaire, puis que les gens puissent, au fil du temps, en prendre connaissance puis être toujours aussi fiers de ce qui se passe dans leur municipalité. Cet ouvrage, c'est l'héritage d'une municipalité qui, au fil des décennies, a fait sa place en matière de culture, de patrimoine et de loisirs. Nos racines sont ce qui nous définit en tant qu'individus,
Il est de notre devoir de les transmettre aux générations futures. Ce livre est le reflet de notre identité hippolytoise, notre histoire communautaire. J'ai découvert graduellement la merveilleuse épopée d'une communauté qui ne s'est pas laissée abattre par les multiples embûches qui parsèment leur chemin. Au fil des chapitres, on croise des acteurs clés de notre histoire et de notre belle municipalité, nos bâtisseurs à qui je voue le plus grand des respects. Élaboré selon une démarche qui met en évidence la grande valeur des richesses patrimoniales hippolytoises recueillies minutieusement, les récits des événements ne sont pas présentés chronologiquement, mais selon l'existence des préoccupations, des modes et des arts de vivre présents à chaque époque. Les lecteurs sont ainsi invités à parcourir 6 chemins de vie des Hippolytois. On émerge ou émerge continuellement une dualité entre environnement et développement, territoire et histoire étant toujours indissociables. Dans ce livre, surprises, découvertes et anecdotes attendent les lecteurs. Les Hippolytoises et les Hippolytois ont été généreux de leur partage et de leurs souvenirs. Ils m'ont accueilli, certains à plusieurs reprises, pour partager leurs souvenirs et leurs récits de vie. Ils m'ont ainsi confié leur legs, si vite oublié parfois chez leurs propres enfants. Il y a eu beaucoup de joie, mais aussi de l'émotion. Je me sens privilégié d'avoir assisté à ces moments. Le passé s'oublie vite. Écrire un livre sans archives est un travail de moine. Prendre le temps de valider et de recouper les informations, préciser, date, nom, lieu, déroulement des événements et les interpréter est un travail rarement fini. Il reste toujours des ajouts, des corrections. Au nom d'Histoire et Archives Laurentides, je remercie la municipalité d'avoir cru au projet et de nous avoir accordé sa confiance. Merci également à la Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord pour sa contribution financière et l'intérêt ainsi manifesté pour l'histoire et le patrimoine. Également, merci à tous les citoyens qui ont contribué de près ou de loin à l'ouvrage en racontant leurs souvenirs, leurs histoires de famille ou en partageant leurs archives. Mes remerciements vont aussi bien sûr à Antoine-Michel Ledoux ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du livre, notamment les réviseurs historiques et linguistiques, la graphiste Dominique Beauregard de Facteur G Communication qui a fait un très beau boulot, les bénévoles et employés de Histoire et Archives Laurentides et particulièrement notre directrice archiviste Linda Rivet qui a été la véritable maître d'œuvre de ce magnifique ouvrage. Alors, au nom de tous les administrateurs et employés de la Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord, on voulait féliciter tous ceux qui ont été des acteurs de près ou de loin à la réalisation de ce beau projet et on vous dit 150 fois bravo. Des personnes précieuses m'ont accompagné dans cette démarche. Entre autres, Denis Saint-Onge et Charles Charon, inépuisables compagnons de découverte. Il y a bien sûr Michel Bois, Émile Beauchamp, Serge Chigouin, Daniel Labelle pour leur vision partagée de situation. Tout autant que Élise Chaumont, Ludovic Roberge, Suzanne Lapointe, Claire Boivin-Boisvert et Françoise Roy pour leur partage généreux. Un grand merci à tous les Hippolytois qui ont cru à l'importance de ce legs et à sa poursuite actuelle. Je tiens à souligner que ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration financière, évidemment, de la municipalité de Saint-Hippolyte, ainsi que de la Caisse Desjardins Rivière-du-Nord. Je profite de l'occasion pour remercier Histoire et Archives Laurentides, ainsi que M. Ledoux, qui est professeur d'histoire, pour avoir contribué de façon professionnelle à la réalisation de ce document historique. Alors, je tiens à souligner aussi le travail incroyable, la participation de plusieurs citoyennes et citoyens de Saint-Hippolyte qui ont contribué à faire de ce livre un document extraordinaire. Alors, quoi d'autre à dire sinon bonne lecture? Bonne lecture. Chères citoyennes, chers citoyens, je vous invite à vous procurer le livre qui raconte la belle histoire de notre belle municipalité de Saint-Hippolyte. Merci, bonne lecture.